Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un brisage PM sur une cape de Jahash qui m'a été fournie par un abonné qui est en vocal avec nous. Bonsoir à toi. Salut tout le monde. Parfait. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment t'as passé le PM déjà et tu veux qu'on fasse quoi avec? Parce que je vois que c'est même pas du G-Orb là. Si, c'est du G-Orb, Ah bah ça. non, parce que t'as 58 puissance sur 61 minimum. Ah, bah, je vais peut-être tryhard une rune alors. Après, moi, j'ai je tryhardais, puis quand ça me pouvait le G, je mettais un PM ou un PA, puis Ouais, c'est un on truc que mettait une orbe tu l'as derrière. passé à l'arrache comme ça et. Ouais, bah, au bout de 20 tentatives, c'est passé, tu Ok. Tu veux vois. qu'on fasse quelle approche? On tryhard un full perf ou on essaie juste d'en tirer quelque chose de vendable? C'est quoi ton état d'esprit? Si on peut le perdre, ça serait pas mal. Après, à Bon, voir ce que ça dit avec la vitesse, c'est tout surtout. ce que je voulais entendre. Très bien. Je cherche une. Jigo, c'est bon? Vas-y, alors par contre, je sais Tu pas si on va chercher le 60 est-ce que puissance. tu veux me guider un peu dans les runes ou je fais à ma sauce? Qu'est-ce que tu préfères? Bon, vas-y, fais-y à ta sauce pour l'instant. T'es plutôt team Papuit ou Rapuit là-dessus, par exemple? J'aurais dit peut-être une papuie pour commencer. Pour la monter à Ouais, mais 61. tu sais que là, si admettons ça casse le PM, on aura du mal à chercher mieux que 71 de puissance. Alors qu'à la Rapuit, Bah vas-y, rappuie, si ça allez. pète le PM, on peut aller chercher les 78. Ah bah c'est bien ça. Ok. Et ouais, bah j'ai bien fait parce que là, si c'était une pas qui passait, c'était la merde. Ouais. Ouais, enfin, ouais, non. Techniquement, on pourrait monter à 70 à la pas, mais je sais comment ça se passe avec les papuis, ça va défoncer tout le puits. Surtout que c'est du PM, là, c'est pas Ouais, du bah c'est PA. ça. Alors attends, je vais Ouais, juste compter, on a ouais. combien? On a. Hop. C'est une race, hein. Je compte 82,2 de puits. T'as pareil ou tu comptes pas trop? Si, si, je suis en train de compter parce que là on a perdu 30, 32. On a 12 depuis récupéré en haut là. Ouais, plus les 70 de la chute du PM sur Lara. C'est Donc ça, c'est bon pour 82. moi. Bon, il va falloir qu'on fasse un Overvita et je pense qu'on visera les 78 de puissance, ce sera pas mal. Commence par une rappui, je Ouais, pense, je si des pense fois ça veut crit. une rapuie, ensuite ravie, et après on gère ce qui reste. Ça te va? Ouais, ça me va. Ok, moins 20. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas beaucoup beaucoup de choix à faire, hein. C'est juste faut que les runes passent. Ok, c'est pas mal. Yeah, c'est parfait ça. Je peux essayer de bidouiller un truc à l'ini. Des fois, t'as des moins 8 comme ça. Vas-y, vas-y, je Vas-y. connais, je fais Il ça y a aussi. un monde où il y a un moins 3 qui sort, hein. On peut y croire. On y croit. Ah, dommage. Bon, ça va. On récupère quand même un puits, c'est déjà pas mal. On n'a pas eu de moins. On n'a pas eu de moins 6, c'est déjà pas mal. Ouais. Je dirais la rappui maintenant, t'es d'accord? Vas-y. Est-ce que j'ai bien compté la vie? Oui. Ok, ça passe pas, moins 19. Il reste 33. Il nous faudrait vraiment un crit rappui là. Pouah, dommage. Bon bah c'est mort. Mets On une peut rappui. encore tenter le crit, mais. Non. Petit PA pour la forme? Ouais, si tu veux, vas-y. Et pas de PA. Non. Et tu voulais donc qu'on termine par une tenta PO sur ton masque Cthulhu? Ouais, vas-y, juste pour le délire. Petit jeu sympa quand même, hein. Si ça passe là-dessus, ça met bien. Ouais, bon, tant pis, hein. Pas de PO. Je crois pas que j'ai autre chose à mettre en attendant. Non, bah écoute, J'en ai un peu. pas de soucis. Dommage, je pensais vraiment qu'on allait choper le moins de vita, moins de puissance sur la cape, mais. Bon, on aura essayé, hein, c'est déjà Ouais, pas mal. bon, la rapuie qui passe pas. Bah écoute, tu fais quoi? Tu repars en tryhard sur ta cape du coup? Ouais, je pense que je vais retryhard un petit peu. Et puis, je vais voir ce que ça dit. Ça marche. Bah écoute, moi je te conseille quand même de mettre des PA plutôt que des PM hein, quand tu balances des runes à l'arrache comme ça parce que ça peut faire la diff. Tu vois, là on aurait pu se retrouver à 10 depuis près. Ça a pu peut-être aider, ouais. Surtout qu'en plus les runes elles coûtent rien en ce moment. Les PA sont à 25 000 là. Oh, mais ça a descendu depuis quelque temps, là. Ça fait... Oh, c'est pas plus mal aussi. Ça coûte un peu moins cher. Ah bah moi ça m'inquiète un peu sur l'état du jeu, mais ça m'arrange bien effectivement parce que vu les runes que je bouffe, c'est pas mal. Après, c'est que ça part super vite, surtout. Ça marche. Bon bah tu fais quoi? Tu repars direct en session FM là? Ouais, je pense que j'en ferai un petit peu, et puis je vais voir ce que ça dit. Ça Et marche. puis, si je refais un PA des fois, je le dirai. Ah, c'est chouette. Bah écoute, en tout cas, c'est super gentil. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire des petits streams comme ça improvisés. Bah Il n'y a pas écoute, de souci. merci à toi, bonne soirée et puis bonne session FM. Et Bonne soirée. peut-être à bientôt pour un PA du coup. Possible. Salut. Allez, bonne soirée, merci. Ok. Le G est plutôt haut, il y a moyen de négocier des trucs là.
Vraiment, j'ai vu le jet, je me dis, le petit PA là-dessus, là, tac, tac. Bon, bah c'est parti. Alors évidemment, toute la difficulté, elle est concentrée sur la puissance qu'il faut pouvoir mettre à 80. Donc bon, on va juste espérer que ça le fasse. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que le meilleur call, c'est Pavi. On va se taper à tous les coups. Voilà, c'était sûr. Le seul truc qu'on peut faire, c'est des runes vie, là. On peut pas overfuite par hasard. Ça va me faire pareil. Ouais. La seule rune que je peux mettre, c'est des runes vie. Ok, c'est pas mal. Il faut absolument pouvoir baisser la puissance. Ok. On va mettre des runes vie. Oh merde! Bah là, c'est mort, hein. Il me fallait moins 1 de puissance encore. Oh, je suis abattu. Le PA qui saute à la rune vie, quoi. Alors, quand tu veux faire sauter un PA, tu mets tes meilleurs pas d'eau, le PA saute pas, et là, ça saute à la rune vie. Je suis abattu, il me fallait 1 de puissance de moins. Là, je peux rien faire, on peut pas rappuyer. Bah dommage, hein, j'avais bien géré. Bah là, il n'y a rien à faire, malheureusement. Il n'y a absolument rien à faire. Je sais pas si le chat a une idée de ce qu'on peut faire là-dessus. Spammer des papus jusqu'à 80, bah oui. Je suis abattu, ça c'était nickel là. J'avais juste à mettre mes petites runes vie, ça tapait dans la puissance. Il me fallait juste le moins 1, mettre une rapu, c'était réglé. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Bah là, je vois qu'une solution. Hein. Oups. Bon, bah go next. Hein. Super. Vraiment, un de puissance qui troll tout, ça régale. Le crit ravi peut-être? Eh non, j'y ai cru. Le crit ravi peut-être? Oh, j'y ai presque cru. Le PA. Pas de PA. On sort ce jet à l'orbe. Perf puissance, perf de sort. Est-ce qu'on a le crit ravi éventuellement? Et non. Dommage. Pas de PA. Tant t'as crit ravi. J'y ai presque cru. Pas de PA. Ok, on vient de créer une dommage sort. Il nous faut une ravie. Dommage. Pas de PA. J'ai jamais douté. Let's go. On a un jet pas trop mal. Faut espérer que la puissance baisse à 60 avant la chute du PA. On va faire au mieux. Je pense qu'on va y aller très gentiment sur des pavis. Voilà, il nous faut baisser la puissance encore. Ok, là il faut le moins de puissance. Nice! Allez, maintenant c'est du spam rappui et on casse le PA. C'est le projet là. Oh, mais bien sûr! J'ai jamais douté de moi une seconde. Alors on a 1. Plus 80. Oh, enfin ça troll pas, ça régale. La question c'est dans quel ordre je fais les choses. Est-ce qu'on fait la vie en dernier? En vrai, je pense que oui. Faut mettre ça maintenant. Hop. J'ai même pas hésité sur le clic. Hein. Vous avez vu, c'était droit au but. Moins 15. On a 46 là-dessus. Est-ce que j'ai flippé? Est-ce que j'ai la tête d'un mec qui a flippé? Très bien. Bon, là-dessus, ça va être pod. Là, on a moins 40, il nous reste 6. Ça va être pod. Alors, faut faire attention parce que si la pod passe, ça peut faire de la merde. Et forcément. Donc, on a plus 0,1. Heureusement que j'ai gradé un peu de rab. Là, il reste 6,1. Il me faut absolument de la pavie. Voilà. On a moins 0,5. Ça nous fait 5,6. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, objectivement,
Il me fallait de la dommage mêlée pour PVP. Mais pour du PVP, je préfère viser de la full perf. Quoique. La grande question, c'est qu'est-ce que je mets comme trance? Rune de trance. Sinon, c'est du dommage critique. Pour des modes farm, il me faut du 2 crit. Je pense que du 2 crit, c'est plus sage. Parce qu'en fait, il m'en faut plein, il m'en faut une quinzaine à peu près pour des modes PVM, avec beaucoup de dégâts. Et fut un temps, je les avais faites avec des jets éclatés, j'ai plein de GH qui sont en 50 vita full dégâts trans. Bon, bref. On fait tous des erreurs de jeunesse. Et maintenant, je voudrais toutes les faire en IR-perf pour le PVM, et pour le PVP, je vais attendre d'en avoir une full perf. Voilà, pour aller sur mon sacrieur. Et donc là, on va mettre du 2 crit, je pense, pour full taper. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Full 2 crit sur un mode multi 2 crit en pas de greffe strigide, c'est le mieux. Les théories craft sont faites, je vous promets. Le chat pète un plomb, ça me régale. Ça me régale. On me dit 462 à 450 à la rune Ini. Non, 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 c'était trop risqué. C'était beaucoup trop risqué. On avait pas assez de marge là. Ça va, on a déjà bouffé 40 de plus sur la ravie. Le chat est fou, hein. Le chat est complètement fou. Hein. Allez, je vous laisse péter un plomb. Ça me régale. On va en faire d'autres, hein, vous inquiétez pas, comme je vous le disais, il m'en faut plusieurs. Et je voudrais vraiment attendre d'avoir un G full parfait à 450 de vitalité pour mettre un dommage mêlé pour aller en PVP. Et pour le reste, ça c'est pour du PVM et on tabasse avec nos GH. Voilà, n'hésitez pas à mettre 40 000 commentaires pour me dire ce que vous auriez fait. Moi je vous laisse ici. C'était un plaisir de faire ces brisages PA à GH, ça coûte très cher, mais c'est assez ludique à faire, hein. Il faut pas se mentir. Donc si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.